Good morgen, allez, Yiden, les tutors aujourd'hui, le Benishmat, Richard, Ben Fortune, Mazal, Claude, Israël, Ben Fortune, Mazal, et Tamar, Bat, Monique, Assouline. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter les 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Beitza, Perek Bet, Mishnachet. Shlosha Advarim, Rabbi Elazar, Menazaria, Matir, Vachamim, Osrin. Parato, Yotza, Birtsua, Sheben Karnea, Omekardin, Etabema, Beyom Tov, Veshochakin, Etapilpelin, Barichaim, Shelahem. Rabbi Yehuda Omer, En Mekardin et Abehema Beyom Tov, Mipene Sheose Chabura. Aval Mekard Tsefin. Rabbi Morim, En Mekardin, Aflo Mekard Tsefin. En rapport avec la Mishnah précédente, on a vu des conduites de Rabban Gamliel, qu'ils avaient l'habitude chez lui, à la maison et tout ça. On a vu Mishnah Vav, Mishnah Zain, des trois conduites la Chumra, trois conduites la Kula. À présent, on va découvrir trois conduites qu'avait Shloshat Dvarim, trois points sur lesquels Rabbi Elazar ben Azaria Matir, ou Rabbi Elazar ben Azaria, il permettait des choses pendant Shabbat ou Yom Tov, comme on va expliquer tout de suite, tandis que Vachachamim Monsrim, des choses que Chachamim eux-mêmes interdisaient. Donc Rabbi Elazar ben Azaria, en fait, permettait trois choses que Chachamim interdisait en deux mots. Et il y a premièrement, Parato Yotza Birtsua Sheben Karnea. Littéralement, sa vache sortait avec Retsua, un ruban, un turban, chez Ben Karnea, entre ses cornes. Je traduis les trois cas, après je vous explique. Omekardin est à BMA à Beyom Tov, et on pourra, alors comme ça on m'a appris quand j'étais à l'école, qu'on pourra carder la BMA, l'animal, on le brosse avec une brosse qui fait des traces et qui peut faire saigner parfois, pendant une Tov. Veshochakin est à Pilpelin, Barichaim Shelahem, et on pourra moudre les Pilpelim, alors je sais pas comment traduire, ça veut dire le poivre, les petits piments, je pense que c'est le piment plutôt. Barichaim, en hébreu moderne, c'est le piment, mais je sais pas s'il y a l'époque de l'Egma, c'est aussi la même chose. Barichaim shelaim, dans leur moulin classique, tandis que Chachamim interdit ces trois conduites. C'est quoi ces trois points, ces trois halakhot? Trois sujets complètement distincts. Le premier d'abord, on l'a vu dans Maseret Shabbat déjà. C'était que, en réalité, c'était pas la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, mais c'était celle de sa voisine. Rabbi Elazar ben Azaria ne lui disait rien parce qu'il consentait. Il était d'accord avec la chose. La Gemara lui reproche pourquoi il n'a pas reproché à la voisine. Là, on constate quand elle était, Rabbi Elazar ben Azaria permettait tout simplement cette chose-là. C'est quoi l'histoire de mettre un ruban entre les cornes d'un animal? Il y a deux interprétations. On va retenir celle qui est rapportée ici par le Barthénois, qui parle d'une décoration. Et il faut savoir, on en parle d'ailleurs dans 5 minutes. De numéro 100, quoi, qui est sorti, sur l'interdit de... avec quel type de vêtements ou d'ustensiles l'animal a le droit de sortir? Tout ce qui est pour son bien-être, c'est permis, ce qui n'est pas pour son bien-être, c'est interdit, c'est l'interdit de shvitat bemto, que l'animal va transgresser une melacha de porter dans la voie publique. Il y a aussi un interdit, la Torah m'a dit, l'otase kol melachata, uvincha, uvitra, uvavdecha, uvamadra, uvemtecha, shocha, vachamorcha, même aussi dans les lochotiniot. Le premier plutôt. Tu n'as pas le droit même de faire une melacha avec ton animal. C'est-à-dire, mon animal n'a pas le droit de faire une melacha pendant Shabbat. Si cette melacha me profite à moi. Et du coup, sauf maintenant, malgré tout, l'animal a le droit de l'habiller, par exemple. S'il a froid, on a le droit de lui mettre un petit manteau. D'où la question maintenant, quel type d'ustensile on pourra accrocher sur l'animal ou pas? Une muselière, ça va être interdit, parce que ce n'est pas pour son bien-être. Ça s'appelle qu'on transporte la muselière, ça lui interdit. Et ainsi de suite, et il y a toutes sortes de vastes sujets. On avait rapporté le cas, par exemple, dans les 5 minutes. Le dispositif pour les aveugles, ça ne sert pas pour l'animal, donc c'est bien interdit de le laisser pendant Shabbat. La laisse, c'est permis, parce que c'est pour tenir l'animal, ça s'appelle Netiruta, c'est nécessaire pour lui. Et d'où maintenant un domaine entier, les décorations des animaux. Comme quelqu'un qui va faire que son petit chien va sortir avec un petit ruban, un petit nœud rose, sa petite chienne qui va sortir avec un nœud rose, j'avais un voisin un peu marouge, qui était allé, je me rappelle, il décorait toujours sa petite chienne, et donc il y a quelqu'un qui veut accrocher une petite barrette sur la tête pour qu'elle sorte, comme ça elle est toute belle, pendant Shabbat, Birvot Shabbat, et ben c'est formellement interdit, c'est une arloquette en réalité. Est-ce que ça s'appelle un massoy, ça s'appelle une charge, ou ça s'appelle un vêtement? Selon Rabbi Elazar ben Azaria, ça s'appelle un vêtement. Si tu veux décorer, tu as le droit de le faire. Tandis que Rachamim interdisent. Ils disent qu'il n'y a pas en noy babema. Ils sont très, comment dire, pragmatiques, ils sont très tachles,
qu'un animal, ça sert pour l'homme, ça sert pas à le trouver beau, c'est un délire qui est pas cautionné. Donc du coup, toi tu veux, on n'a pas le droit de décorer un animal pendant, c'est on n'a pas le droit de faire sortir, laisser sortir un animal pendant Shabbat avec une décoration sur la tête. Bepshuto, cette halakha elle est spécifique à Shabbat, et une discussion, est-ce que c'est sur Yom Tov, est-ce qu'elle marque lequel, est-ce qu'elle a la Shmita de Bepshuto dans Yom Tov, c'est un vaste sujet, il y a un long tosot Yom Tov ici, qui prouve justement notre Mishnah, que la Mishnah, elle n'a pas précisé que c'est Yom Tov, parce qu'on parle que de Shabbat. Dans les prochains cas, on précisera que c'est Yom Tov. D'accord ? Omekardin et Abema Yom Tov. Donc on a dit, c'est l'histoire de brosser l'animal. En fait, comme ça, le Bartenora, je crois qu'il propose exactement, il y a des petites puces, des petits insectes qui viennent sur l'animal, qui la dérangent, qui la grattent. Pour la soulager, alors ils avaient l'usage de prendre une brosse avec des dents en fer et fins. Il lui frottait comme ça, sauvagement, jusqu'à même faire saigner l'animal, c'était l'animal, il appréciait ça. Seulement, il y a un interdit pendant Shabbat de faire, pendant Yom Tov plutôt, on parle de Yom Tov, il y a un interdit pendant Yom Tov de faire saigner un animal. On n'a pas le droit de faire sortir du champ, du sang, si ce n'est pour le faire un shrita, mais pas pour ça en tout cas. Donc, du coup, ce qui est sur Ochen Nefesh, on ne sait pas sur Ochen Nefesh. Donc maintenant, quand tu vas lui faire, tu vas la brosser jusqu'à un risque de la faire saigner. Il y a un interdit qui s'appelle dans la Torah, donc de faire saigner, et même si ce n'est pas ton intention, alors on tombe dans un sujet complexe qui s'appelle d'avoir chez nos mitkaven, quelque chose que tu n'as pas l'intention de faire, mais qui va peut-être se faire réaliser. Le cas type rapporté dans l'agma, c'est que tu vas tirer un banc, et pendant que tu tires le banc, ça va faire des sillons dans ton champ. Est-ce qu'on a le droit ou non de le faire? Rabbi Shimon permet, Rabbi Yehuda interdit, et l'agma et les Mefarshim expliquent que Rabbi Elazar ben Azariah, il pense comme Rabbi Shimon que c'est permis. Puisque c'est pas certain que tu vas faire interdit, il n'y a pas de psychréché, comme on dit. Donc maintenant, il est possible que d'avoir chez un mitkaven, que tu n'as pas l'intention de la faire saigner au moment où tu la brosses. Si tu te fais du sang qui est sorti, c'est pas grave, c'est pas ton problème. Ça, c'est Rabbi Elazar ben Azariah qui permet. Et figurez-vous que pour ce détail-là, la halakha sera retenue comme Rabbi Elazar ben Azariah. Sur ce point-là. Pas sur les autres, mais sur celui-ci, oui, parce qu'on tient pour la halakha que d'avoir chez un mitkaven, c'est permis. Ensuite, troisième cas, c'est le Shochakin et Pilpelin Berechaim Shalem. On a le droit aussi, donc on est sur pendant Yom Tov qu'on a précisé là juste avant, qu'on a le droit de piler, de moudre les pilpelim, les poivres, le poivre ou les piments, barichaim shalaem, pendant leur. C'est plus facile de dire qu'on parle des pilpelim du poivre, quoi, des grains de poivre. Parce que les piments, mais je crois pas qu'on moule les piments, tout ça c'est des piments de Cayenne, je sais pas. En tout cas, on parle donc, on est en train de moudre des pilpelim, barichaim shalaem, dans leur moulin classique. Pendant Yom Tov, on a le droit de moudre, si c'est pour manger. Les épices, on a déjà évoqué le cacre, on a le droit de le faire. Ouais, quel type de chinouille on doit faire, si toutefois c'est nécessaire, faire un petit chinouille. Lui, Rabbi Elazar ben Azariah, permettait de le faire tout à fait normalement avec ton moulin classique, sans aucun chinouille. La halakha n'est pas comme ça, la halakha dit qu'il faut faire un petit chinouille, on va le faire avec soit un ustensile inapproprié, mais pas avec le sensible classique, c'est un interdit de Ouzdin Dechol. D'accord? Ouzdin Dechol, ça veut dire que tu te conduis pendant Shabbat comme en Chol, en utilisant les gros ustensiles et tout ça, c'est pas toléré. Comme on dit en bon français, ça fait pas shabbatique. C'est la phrase qui est sortie qui exprime cette notion-là. D'accord? C'est un vaste sujet, c'est quoi Ouzdin Dechol? C'est flou. Quand est-ce que Khamim, on dit que oui, on dit que non? Là, en l'occurrence, en tout cas, c'est évoqué. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit attention, alors là maintenant on va porter une précision sur l'histoire de frotter l'animal. Lui, Rabbi Elazar ben Azariah, a dit tu peux le faire même avec une brosse en fer. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda dit en mekardin ta behema biyom tov, c'est vrai que tu n'as pas le droit de la carder. On n'est pas d'accord avec toi, tu dis que tu veux la frotter avec une brosse en fer, ça non. Il peut une chose c'est chabura parce que tu vas lui faire une blessure, mais cependant, aval mekartsef, il a le droit d'être mekartsef. Alors mekartsef, ça veut dire que tu vas prendre une brosse en bois. Il y a donc des dents moins fines, et tu vas la frotter, ça va la soulager, mais il n'y a plus de risque de faire saigner. Et Chachamim pense que « en mekardin aflomekartsefin » ni l'un ni l'autre. À cause de l'interdit d'utiliser la brosse en fer et que tu vas la faire saigner et qu'il y aura un interdit, alors on ne veut même pas te permettre avec une brosse en bois de peur que du bois tu vas repasser au fer et puis tu vas la faire saigner. D'accord? Comme on a dit pour cette halakha spécifiquement, la halakha retenue comme Rabbi Elazar ben Azariah, qui pense comme Rabbi Shimon, que tu as le droit de prendre ta brosse en fer et tu frottes, et si toutefois il y a du sang qui est sorti, ben c'est pas grave, parce que c'est d'abord chez nous.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.